Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo pêche au vert, puisque oui, nous sommes encore pendant la période de fermeture. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un peu aux bases, on va dire ça comme ça, puisque je suis tout simplement revenue sur un spot, donc dans un étang, dans lequel j'ai déjà fait des vidéos avec mon très cher ami Tristan, où à chaque fois, quand on a fait des vidéos, il s'est toujours passé des trucs vraiment très très sympas. Et vu qu'en ce moment la pêche pour moi est assez compliquée, j'ai fait plusieurs spots différents, j'ai fait plusieurs techniques différentes, mais les poissons, je les attrape assez difficilement. Je me suis dit que je allais revenir dans cet étang, puisqu'à chaque fois que je suis venue, que ça soit au leurre, au pain, au vert, au maïs, à tout ce que vous voulez, j'ai toujours réussi à m'en sortir et à faire du poisson. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est 16h30, 17h, j'ai fait un petit peu de route pour venir, et vu qu'il me reste pas beaucoup de temps de pêche, je vais très certainement diviser la vidéo en deux parties, où je vais pêcher donc la fin d'après-midi jusqu'à ce soir, enfin jusqu'aux heures légales du moins, et donc je reviendrai très certainement le lendemain pour compléter la vidéo, et du moins s'il me reste du poisson attrapé ou si j'en ai pas attrapé du tout ce soir. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va pas traîner plus longtemps, parce que bah, vu qu'il me reste pas beaucoup de temps de pêche, je vais rapidement mettre les lignes à l'eau et m'installer rapidement pour pouvoir pêcher un maximum de temps. Donc j'espère que ça va donner. Cet étang, j'ai toujours fait du poisson, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je n'en ferai pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis nous, on est parti. Allez, let's go. Bah, je vais m'installer sur le ponton. Je vais mettre juste ici. Cette fois, j'ai une petite chaise pour m'asseoir. Voilà, au moins je serai bien. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Je vais mettre les cannes à l'eau. Je vais mettre une canne au vert et une canne au pain. Hop. Je vais la mettre à l'eau. Et voilà. Et l'autre, je vais l'équiper avec un bout de pain. Parce que vu qu'ici, il y a de la carpe, je vais essayer d'en faire une. Ce serait vraiment bien. Et voilà. Hop là. Et voilà. Donc, les deux cannes sont à l'eau. Hop là. Bon bah nickel, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Je vais jeter un peu de pain devant, on sait jamais. Ça peut faire monter quelques poissons. Donc cette canne là, elle est posée au pain, et celle-ci elle est posée au vert. Les deux petites favorites, maintenant, plus qu'à attendre. Des belles touches sur le vert là. Je vais voir si j'ai encore une tirette. J'ai quelques belles touches sur le vert là. J'ai une belle touche là. Oh ouais, c'est sympa. Oh, ça m'aidait beaucoup de tête. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, une belle perche! Super poisson! Je vais l'épuiser. Hop là! Oh, oh, super perche! Magnifique! Donc, je vais vous la présenter rapidement à la caméra. Je vais la laisser dans l'épuisette, juste le temps d'installer ce qu'il faut. Hop là! Bon, eh bien, ça fait peut-être une heure que je pêche, j'ai eu quelques touches, mais rien de très concluant. J'ai eu de belles touches et regardez ça, une magnifique perche, donc prise au vert sur le fond, voilà. Donc on va vite la relâcher, mais un joli, joli poisson. Moi,
Bon, et bien voilà, donc superbe perche, ça fait vraiment super plaisir. Alors je l'ai vite remis à l'eau parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas le droit de garder tous les carnassiers parce que c'est la fermeture. Donc les garder en épuisette, en bourriche, c'est interdit. Si vous faites en carnassier par exemple une perche, un black bass, un brochet, etc., un cendre, faut tout de suite les remettre à l'eau. Voilà, donc petite prévention parce que je me suis déjà fait avoir et je ne savais pas. Donc au moins vous le savez maintenant. Donc on va vite récupérer un verre et puis on va vite relancer parce que je vois que ça commence à s'activer un petit peu. Donc c'est cool. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, du coup cette jolie perche je l'ai attrapée avec ma canne Fabrique X1 en 3-12 grammes avec mon petit Moulinet Revo STX taille 2000. Alors vous voyez là, j'ai pas du tout assez de tresse, il faut que j'en remette, sauf que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et donc au niveau de mon montage, bah, c'est mon montage classique habituel que j'utilise tout le temps, donc c'est à dire un fluorocarbone en 25 centièmes environ. J'ai mis deux chevrotines, donc là c'est des chevrotines de 1,25 g, donc c'est vraiment histoire de plaquer le fluorocarbone sur le fond. Et là, j'ai mis un petit hameçon à carpe taille numéro 4 et un verre canadien. Voilà, donc il me reste mon verre, donc je vais rapidement relancer. Donc là, le temps est en train de changer, le vent se lève tout doucement. Là, il me reste plus beaucoup de temps de pêche. Donc on va voir si j'arrive à faire un joli poisson pour ces dernières minutes de pêche qui me restent. Ce serait vraiment cool. Les poissons sont assez tatillons, j'ai pas énormément de touches. Bon ben... Oh ! J'étais en train de me lever, je comptais remettre mes affaires dans la voiture, et là... Je pensais que c'était moi qui faisais bouger la canne, mais en fait non, j'ai un départ. Ouais, poisson. Ok, donc j'ai un poisson là et j'ai un poisson sur l'autre canne. C'est génial. Oh, ça m'aide beaucoup de tête. Oh, ça va être une perche encore. Encore une magnifique perche. Elle est super encore celle-ci. Je vais la dropper. Regardez ça, elle est magnifique. Alors par contre, elle m'a coffré bien comme il faut le verre. Et voilà. Donc superbe perche, je vais la relâcher parce que la canne là, il y a le poisson dessus. Allez, ciao ma belle. Là, ça commence à être limite dans les heures. Il ne reste plus que quelques minutes. On va prendre contact. Ah bon, bah poisson aussi. Waouh, les coups de tête. Le poisson est super nerveux. Qu'est-ce que c'est? Un gardon, un joli gardon. Regardez ça, magnifique. Voilà, superbe. Bon, à le relâcher. Bon, et bien voilà, la pêche s'arrête pour ce soir puisque du coup là je viens de regarder l'heure et les heures légales sont dépassées depuis une minute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais ranger tout mon matériel et puis on va se retrouver là demain matin. Et on va bien voir si j'arrive à faire de plus jolis poissons, mais ça fait déjà super plaisir. Donc deux jolies perches, vraiment de beaux poissons et deux gardons. Donc voilà, bon bah je vais ranger mon matériel et puis nous on se dit à demain. Allez, bonne soirée. Bon, et bien là, nous sommes le lendemain. Alors, il est 13h passé parce que toute la matinée, il faisait que de pleuvoir des trombes et des trombes. Donc, pas possible d'aller à la pêche. Donc là, je viens d'arriver. J'ai déposé mes deux lignes. Il n'y a pas trop d'activité comparé à hier quand je suis venue. C'est assez couvert. Bon, il y a un petit peu de vent, mais au moins, il n'y a pas de pluie. Ça, c'est déjà l'avantage. Donc, je vais pêcher toute l'après-midi jusqu'à ce soir. Et puis, on verra bien si ça veut mordre un petit peu, mais on va bien voir. Thank you.
Donc voilà, je viens de me mettre à l'abri sous le coffre de ma voiture parce que il pleut bien. Donc je vais attendre que ça passe. J'ai les deux cannes qui sont toujours dans l'eau. Je les touche sur la canne au vert. Je les touche sur celle-ci. Oh bah poisson! Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un gardon ou un rotangle. Regardez ça. Joli gardon sur le fond, donc pris au vert. Oula! Et voilà, allez, zou. Ah là là, ça salit les mains le gardon. Oh, c'est dégoûtant. Oh, ça y est. Oh, oh ce départ. Oh non! Oh là là! Oh la touche! Oh cette touche de fou! Alors il m'a vraiment pris en chemin parce que je n'ai pas senti de touche quand je l'ai pris. Bon bah regardez ça, je m'y attendais pas du tout, j'étais en train de remonter ma canne parce que je voulais relancer et j'ai senti une petite touche quand je ramenais et un rotangle. Hop là. Bon et bien voilà, ça va être la fin de cette vidéo, donc ça a été vraiment très compliqué. Je suis venue au total 3 jours et sur les 3 jours j'ai fait 6-7 poissons maximum. Il y a quelques poissons que je ne mettrai pas en vidéo parce qu'ils en valent vraiment pas la peine, à part des tout petits gardons, c'était vraiment rien d'intéressant. Donc ça prouve encore une fois que c'est vraiment en fonction de l'activité des poissons et aussi énormément de la météo. J'ai eu de la pluie, j'ai eu un petit peu de soleil à certains moments. Il y a eu beaucoup de vent, le vent était vraiment très 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 froid et vous voyez là il y a encore pas mal de vent et il est vraiment gelé. Et donc comme vous avez pu voir ça dépend énormément aussi de l'activité des poissons parce que regardez, je suis arrivée la toute première après-midi, j'ai enchaîné les touches, j'ai fait 2 belles perches, 2 beaux gardons et pas mal d'autres poissons et je suis revenue 2 jours après, ça m'avait mis vraiment en confiance et là rien quoi, donc c'est vraiment compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Je vais me réinstaller. Oula. Oh, n'importe quoi. J'ai failli tomber, moi.